bien commencé. C'est pour ça qu'on a aussi créé beaucoup d'occasions dans les 10 premières minutes et on a réussi à mener à zéro. Après, bah, il n'y a pas eu de relâchement, mais on a une petite baisse de régime, une petite baisse d'intensité. C'est pour ça que je crois qu'ils sont revenus à la main juste avant la mi-temps. Ça nous a fait un peu de mal, mais bon. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on est reparti un peu de plus belle. On a réussi à marquer le deuxième but, mais ça n'a pas encore suffi. On s'est pris un but sur coup de pied arrêté. Mais maintenant, bah, les deux matchs de préparation sont passés. Bah, maintenant, bah, la vraie compétition va commencer et j'espère qu'on va très très bien commencer. Ouais, mais on est déçus ce soir parce qu'on a remporté tous nos matchs amicaux au cours de cette saison. On fait un match nul juste avant de partir à la Coupe du Monde, ce qui nous retire peut-être un petit peu de confiance, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Ouais. Il y avait beaucoup de niveaux ce soir, hein. Franchement, on est tombé sur une très belle équipe de la Colombie. Voilà, c'est bien, ça arrive juste avant la Coupe du Monde, comme ça on part pas trop confiant, et si on prend une claque, autant la prendre maintenant, même si on n'a pas perdu ce soir, mais au moins ça remet tout le monde en question, et on va être prêt pour la Coupe du Monde.